Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Oh oui, bienvenue dans la suite de nos aventures sur Dead Space. Et donc, dans l'épisode précédent, nous étions arrêtés à un endroit charnière, j'ai envie de dire, un endroit où on avait un peu peur. Et donc, on va continuer bien sûr à affronter cette peur. Pour enfin en arriver à bout de ce jeu, sachant qu'il nous en reste, qu'il nous reste encore deux épisodes, hein, bien sûr, parce que on l'a dit, hein, on commence une trilogie, on la termine. Ah mince, j'étais en train de me gratter le nez. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à cette présence reptilienne. Donc cela peut supputer le fait que d'autres petites bestioles m'attendent sur le chemin. Alors que nous avons toujours des... Il y a du bruit. Schéma. Schéma qui est tenu niveau 5. Ah les bâtards. Ah je pensais pas qu'il y avait un niveau 5. Ça c'est moche. Oh, oh là là, oh là là, on vient par là. Ah bah tiens. J'ai pas vu que la cité open. Tout le reste est en rouge. Règle the ball. Et activer là. Rappelez ensuite la balle avec le menu. C'est quoi l'intérêt? Il n'y a pas d'intérêt ici. Peut-être sur PlayStation il y avait un intérêt. Ça fait peur ce coup. Il n'y a rien du tout. Oh ben. Entrée zone sans gravité. Vraiment, il va falloir que je joue à ce jeu à la con. Hein. Oh là là, la misère. Ok. Ah, bien sûr, c'était obligatoire. Ah, c'était obligatoire. Toujours bouger, toujours bouger. Non, saute. Tête de pile. Bien sûr. Oh là là. Alors on y va portant. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se concentrer. Il y a d'autres petits bâtards. D'autres petits bâtards. D'autres petits bâtards, viens là, viens là. Viens là. Comment ça, t'es pas mort? Tranquille. Mais là, les trois. Ouais, là, c'était un peu. J'allais dire un gros mot, un peu bâtard quand même, parce que ça, ça balance trois trucs à la fois. C'était un peu la version upgrade. Donc ouais, pas très gentil. Moi j'avais fait plein de sons. Niveau 1, oh, bon, c'est fini. Sortie zone sans gravité. Entrée zone sans gravité. Pas un truc là? Non. Non, c'est un effet... Non, c'est un effet d'optique. Ouais, on va pas jouer la baballe, on a autre chose à foutre quand même. Sortie zone sans gravité. Ok, donc là on va devoir se faire agresser certainement. Je veux dire, ça, ouais, je m'y attendais. Depuis tout à l'heure, en fait, le terrain il est préparé à de l'agression. J'avoue que là, je m'y attendais un petit peu. Je suis sur le qui-vive. Ça m'étonnerait même pas aussi qu'on se fasse agresser là. Que c'est tombé là. Elle me dit d'aller là. Et je vais pas y aller tout de suite. Parce que là, si je me trompe pas, il va y avoir le truc. Ouais, il est là. Passer peut-être en tenue 5. Ah! Comment te dire? Oui, c'est super.
contre, il y a un truc qui est en train de bouffer un machin derrière. Je vais très vite changer d'arme. Le petit bâtard. Mais il est pas mort. Non, non, non. Bon, il va falloir que ça s'arrête. Ah, le pied. Cool. Et lui. Ça demain. Ok, c'est pas grave. Au moins c'est fait. Ah, c'était quand même pas de chance. Ça me tombe sur le coin de la gueule ici. Je dois avouer que je m'y attendais pas. Potentiellement le jeu non plus. Bon bah voilà. Donc ceci étant fait, notre niveau 5 elle coûte combien? Ouf, à 60k et je suis qu'à 35. Alors, on a de l'énergie laser qu'on peut vendre. Ah, 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 ah. Non. Putain, je vais vu vendre. Non. C'est pas grave. Putain. Ah, ça me... Oui, vends-moi ça. Alors, donc on a dit 60k. Ouais, j'y arriverai jamais à 60k. Dans mon coffre, je peux vendre plein de trucs. Ah, mais j'ai dit. Ah, on a dit 60, hein. 60k. Allez! Parce qu'on a bien. Ah, mais j'aurais pas dû utiliser. Je suis con, j'aurais pas dû utiliser un kit de soins tout à l'heure. Parce que du coup, comme je vais changer d'armure, tout va être mis au max. Avec cette petite voix d'ambiance, le plaisir est total. Ah, ça a changé quelque chose? Je m'attendais à un truc un peu plus. Clinquant. Bon, on a dû me rajouter une petite lame de métal en plus. Oh putain, vous avez pu faire la révision et me mettre au fond, quoi. À fond. Tant pis. C'est une voix qui est insupportable en fond. Là, on open the door. Ah, c'est de l'autre côté. Et évidemment. Ah. Attends, j'enregistre et après je t'écoute. Laisse-moi deux secondes. Okay. C'est notre destin divin. Ce petit bâtard. L'unitologie, voilà. La mort n'est qu'un premier pas. Par les aspects physiques du processus. Car, voyez-vous, tout cela nous mène à la perfection. Ah. Ayez la pauvre fou. C'est ce que nous avons cherché pendant toutes ces longues années. Ce que nous avons tellement attendu. Ne les écoutez pas. Revenez! Revenez! Vous détournez de l'église à cet instant-ci. Ne perdez pas votre foi. Tout ce qui est arrivé sur la colonie n'est pas une tragédie. C'est l'œuvre de Dieu. La réalité est beaucoup plus belle. Sur cette planète, nous avons trouvé un monolithe. Son œuvre est enfin révélée. Et nous en sommes les héritiers. L'élévation, c'est notre destin divin. L'unitologie voit juste. Quoi, je vais toujours aller dans les toilettes. Tout cela nous donne la
Ayez la foi. C'est ce que nous avons cherché pendant toutes ces longues années. Ce que nous avons tellement attendu. Ne les écoutez pas. Revenez. Vous détournez de l'église. Ok. Toujours avoir un verrou de secours. Pas mal. Alors. Non, ça pue, on va se faire agresser, bien sûr. Ok, très bien. Ok. Ah, c'est tout ce que j'aime. Ah, il semblerait que quelqu'un ne soit pas content. Ah, ok, je sais. C'est un piège en fait. Non ! C'est un peu de la con. Peut-être qu'on s'enferme quoi. Sympa. Hein. C'est ce petit son de ses morts. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a l'agression qui nous attend. What the fuck? Tu rigoles pas. Sa race. Ce jeu de l'enfer. Ce jeu de l'enfer. Ça, je joue pas au jeu d'horreur. Hein. Je pense que je fais une crise cardiaque à chaque fois. Mais... Puis moi, je permets de faire un peu de ménage. J'ai demandé des paroles. Cette fois. Vous ne vous échapperez nulle part, très cher. Ah. Vous m'avez impressionné jusqu'à présent, mais maintenant c'est terminé. Ah. Mon œuvre est l'expression de Dieu lui-même. Il est temps de quitter la scène. Je sens l'agression. Ah non! Encore cette merde. Je crois qu'on en avait fini avec cette merde. C'est
Are you motherfucker? Oh merde. Ah merci, je l'ai utilisé. Ok. Ok. Non, rigole pas, rigole pas. Okay. Ferme-la. Non, sans déconner. Merci, Miss Nugget. Pourquoi tu bouffes? Non, non. Oh tiens, lui. Oh, faut que j'aille pas, bordel. Help me. Très beau travail, monsieur Clark. Très beau travail. Bien. Venez me rejoindre dans la zone de la direction. La porte est ouverte. Faites vite. Isaac, méfie-toi du docteur Kyle. Putain, je voulais juste sauvegarder, fils de pute. Tu appuies sur le bouton. Merde! Ah putain! Tapé de bouton. Du coup, je vais sauvegarder. Bizarre, je le sens pas. Je sais que vous voulez réparer la navette de fonction et quitter cet endroit, mais la fuite est impossible pour l'instant. L'accélérateur lumière est complètement détruit. Ah putain! Non, 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 non! Gardez espoir! Gardez espoir! Au début, je l'avais perdu. J'ai sabordé le vaisseau, saboté les systèmes. Mais Amelia a tout changé. L'Église! Il croit que le monolithe est divin, mais il ne veut pas le danger, son maléfice. Regardez, regardez, regardez ça. Voilà ce qu'on a trouvé au cœur de cette planète. Mercer l'appelle la Reine-Mère. C'est la source. Elle contrôle les nécromorphes par télépathie. Quelle bande d'idiots! Mais Amelia... savait comment faire pour les arrêter. Le monolithe doit être remis à sa place. Le monolithe retenait ses forces au cœur de la planète. Ramenez le monolithe et scellez la Reine-Mère. Oh, pitié. Pardonne-moi, Amelia. Je suis le seul responsable de ce qui s'est passé dans ce vaisseau. Alors, je vais essayer à tout prix de mettre un terme à tout ça. Pour réparer mes fautes. Vous pouvez m'aider. Bah bien sûr. Si vous réparez la navette et ramenez le monolithe à bord, on peut arrêter ça. À jamais. À jamais, bien sûr. Je
Putain, il y en a marre. Je crois qu'il y a un nouveau truc qui déconne sur le vaisseau à la con. Puis le truc. Ah, le truc il va faire que de me faire chier. J'ai pas une arme cryonisante. Bonjour, c'est pourquoi je viens chercher le formulaire Alpha Beta Plus. Attendez, faut que j'ai un issue correct. Ah ouais, alors, mais moi je vais pas au massacre. Hein. Déjà il fera plus chier là. Ça c'est mort. Il y en a un autre. Ah ouais, il y en a pas un autre quoi. Ah non. C'est quoi cette massacre? Putain. Il est où le cul, il est où la tête là-dedans? Ah, c'est pas mort. Ah, ah. Putain, j'ai bouffé. Il est où là? Putain. Oh. Ah ouais, il me faut de la munition. Journal perso, White D, des unitologues contrôlent le vaisseau. Parmi eux, Capitaine Matthews, Dr. Kyle, Mercer, Holt. Ok. Patate. Ça, c'est des fragments de monolithe alors. Quand même se mettre en position. Gagne du pognon, c'est pas rien. Cool. Ok, c'est pas mal, on a récupéré la mission. Que le truc il va pas à moi encore. Oh, pas maintenant, putain, j'aurais sauvegardé tranquille.
Ok, c'est bon. Oui. Ah, on va essayer d'avancer un petit peu plus. Si je vous avoue que là, j'ai pas la plus grande. Un petit peu peur dans la voie quand même. Beaucoup trop de caisses. Pour que ce soit anodin. Pack de vie. Ça m'étonnerait qu'on laisse se pénétrer dans le truc aussi facilement. Ouais, beaucoup trop de munitions, on va aller vers du fight. Oui, non, il faudrait que je rentre là. Ok, tout ceci me semble trop facile en fait. J'ai pas confiance. Carte de la navette requise. Ah, ok. Ou pas la création qui va arriver dans 2 secondes. Ah non, ça va tomber. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Excellent, excellent. Attendez-moi, je suis en route. Moi je te le dis, tu vas mourir, John. Des moteurs de la navette. Vague idée de ce qui va se passer. Allez, viens. Allez, agresse-moi, bordel. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oh non! Ah ouais, mais là, à un moment... Il me faut du respect. Monolithe est stocké. Ah mais bordel, ils sont combien ces cons? Blocage navette désactivé. Je me dirige vers le pont. Allez-y, nous pourrons charger le monolithe. Je ne sais pas si ce cas est cinglé ou non, mais on a besoin de cette navette.
fais comme si tu le croyais. Pour l'instant. C'est bizarre qu'il soit barré comme ça. Bon, écoutez, je pense qu'on a bien avancé là sur, sur cet épisode. On va pas être loin de 20-25 minutes, voire un petit peu plus. Honnêtement, j'ai pas fait gaffe. Je pense qu'on est sur un point tournant, bien sûr. Donc, nous venons de détacher la navette. Navette qui devrait nous permettre eh bien, de retourner sur la planète afin de libérer le monolithe et de sceller une espèce de reine-mère qui traînerait. Bref, ce que je vous propose, eh bien, c'est de voir ça dans la suite de nos aventures sur Dead Space 1, bien sûr. Et on se dit donc à très bientôt. À ciao, ciao.